Je suis en train de push, je troll là. Ok, on proc bonne plate. Bon, la game. Bard Silas. Rarement lane contre ça. C'est-à-dire jamais. C'est-à-dire jamais. J'ai pas pris de MR parce que je ne savais pas qui était bot. Je sais pas si ça plaît à Croco en vrai. Ah ouais, je sais pas, il avait bien aimé Battle Right, non? Je sais des conneries. J'avoue que nous on est déjà 3. Hein. Je sais pas ce que va donner le match-up, hein. J'ai un peu peur en fait. Après j'ai Alistar, ce qui est pas mal contre ce genre de... d'AD carry. C'est un peu plus un AD carry. Merdez-vous, hein. La team a l'air de win, donc dès qu'il va passer level 3 ça va être chiant. Je pense dès qu'il passe level 3 il moline. Donc j'ai pas envie d'être dans cette situation là. Ok, ma team gère pour l'instant. Bon, il est passé level 3 il m'a all-in comme je vous avais dit. Je me suis un peu défocus parce que j'ai vu Tréton passer sur le côté. Je me demandais où est-ce qu'il partait. J'ai pas envie de back tout de suite, j'ai vraiment envie d'avoir Serrated. Si là ça a l'air d'avoir recall. Ah il joue TP, ouais putain. Je vais reculer, je back maintenant. Est-ce qu'il va venir me cancel? Il y a des grandes chances que oui. On peut go avec first strike, c'est pas grave. Il a raté sa ward dans le bush. Pas le meilleur trade. Je vais stay, je pense. Flash Silas. Tréton a pas flash. Alistar peut me cover normalement. Il a plus de flash donc il peut pas non plus. Il peut pas non plus aller me vraiment faire des folies et surprendre mon support. Là je fais surtout confiance à mon support mais. Et ouais, j'avoue que j'ai besoin d'aide pour la stit. Ah non, pas cool ça. Vas-y, je back. Je perds une wave, c'est pas grave. Y'a Bard ici. Ok, pour le moment 2-0, un kill Belvette, un kill Swain. Ça se passe plutôt bien. Il a back acheté un deuxième Doran. Oh nice, ce qu'il a fait Alistar. Il a flash pour ça? Il a plus de flash, mais il a problème. Il a peut-être flash d'ailleurs sur le mou, j'ai pas fait gaffe. Merci d'ailleurs, Nebish, pour le sub. Il a un stack, il va peut-être le récup. Nice. Vas-y, je vais hard push ça. Je lui mets 10 CS. Je vais taper un petit peu la tour, pas beaucoup. J'aurai pas le temps de prendre la plate, mais juste la tape un peu. En fait, faut que je fasse attention parce que Bard peut arriver ici avec Silas et il pop les deux derrière moi. Je joue sans être trinket donc je vais voir la gueule. Hein.
Ok, c'est sur un proc first strike, moi ça me va. Je lui ai mis sa part. Nice, parfait. J'ai mis suffisamment de dégâts pour qu'il puisse le récup. Putain, c'est moi qui ai pris l'aggro de la tour. Ah, c'est pas trop grave parce que je donne juste un kill solo à Bard, mais c'est vraiment la bonne mort, frère. Ouais, ils sont sortis de l'aggro de la tour, il était juste ici, il a fait un pas en avant, il est sorti, je l'ai pris avec le. Bon, c'est pas trop grave, mais ça va parce que je donne vraiment aucun gold à aucun carry. Il y a des grandes chances que je meure anyway de Harry, quoique. Ah, j'aurais pas pu join. Quoi qu'il arrive, je pense. C'est que très tôt en live, se moque. Tu sais qu'il y a moins que. Le move est un peu whatever. Hein. Il y a peut-être même un monde où c'est mieux que ce soit passé comme ça que. Après, évidemment, j'ai misplay. Hein. Je peux pas dire que c'était volontaire. Hein. Mais je veux dire, il y a moins que le lootcom soit quand même positif. Parce qu'il y a moins que juste j'aurais peut-être feed Harry si j'avais. Si j'étais resté. Pink ici. Pas d'infobot, ça fight fort top. Ah, c'est un peu chiant parce que là, Silas. Après, il a rien hein, pour l'instant, Silas. Hein. Il a 2 Doran, des HP de la mana. Bon, je suis obligé de respecter Bard, voilà. Peut plus l'avoir. Ok. C'est le point un petit trade avec First Strike. Nice. 21 gold. Putain, la wave est. Spink est là. Je trouve que j'avais pas vu que c'était nuque le mid. Ils sont très probablement vocales. Bon, on peut pas step in hein, du coup. On est obligé de perdre. Ouais, voilà. Exactement pour cette raison là. Si c'était pas en vocal, il y avait plus de chances que le move passe. Mais en vocal. Après, ils sont peut-être. Bon, ah, si, je pense qu'ils sont en vocal. Hein. On fait les râles pendant ce temps. Toujours pas d'info Harry. Je peux pas toucher un creep pour le moment. Ok, ça, on peut y aller. Alista. Oh non, il l'a eu. Nice. Ouais, quand c'est 2v2, ça fait moins les malins. Hein. Donne l'armure si t'aimes, non? Je mets deux autos et je me tire, il a une TP. Je ward. Je clear la pink. Ah, il pourra pas kill. Ouais, ça donne un petit peu d'armure, 25, ok. Expliquez pourquoi est-ce que je n'ai pas kill sur ce move. Sur le flash in de sur Bard je parle. Well what a shit Herald. Oh, puisque c'est passé mais tranquille. Plus de flash du coup. Bard, est-ce que Silas ça flash? Je suis pas sûr. Il a des tabis aussi. Je sais pas s'il avait. Ouais il avait des tabis quand je l'ai flash in. Oh, ça explique. Enfin, en fait, les tabis juste expliquent pourquoi je l'ai pas tué, ok. Sans tabis, il meurt. Je lui ai pas donné le kill tout à l'heure. Il y a moins que j'aurais récupéré le kill maintenant. Hein. S'il a flash, non, s'il a son flash, ok. Vous êtes pas sûr dans le chat, donc on va partir du principe qu'il l'a. Je suis pas sûr non plus, donc.
Tu vois les pinks là? Il a pas de dégâts Silas mais... Ah. Ah c'est chaud. Non c'est parti. Faut que j'aille bot, putain je vais prendre le tunnel. Je perds beaucoup de creep depuis tout à l'heure là. Le problème c'est que vu qu'ils sont duo vocal, ça joue beaucoup à Ribard. Et ça joue pas mal orienté bot side forcément. Il la start le Drake comme sa nature. J'ai besoin de push ça. J'ai pas encore d'ult. Ok, nice. J'ai pas envie qu'il y ait l'info de ma ward surtout. Mystar à l'ult. Je pense qu'il est fine. Attention, Belvette. Style, hein. On a pas ulti Swain, Silas a l'ulti, comment dire. Ah il y a ulti Belvette, merde, je pensais qu'il y a ulti Alistar. Enfin un kill, putain. On repart bot, récupérer la wave. Il y a Bard dans le coin. Pour moi, il est tout seul, mais. Faut donner combien de gold pour ce cancel? 26. Merde, je dois avec quoi? Oui, collector, deuxième. 7 secondes pour 26 gold. On va voir si ça me coûte quelque chose, hein. Oh, le canon à 2 HP, ouais y'a pas un monde où je laisse canon par contre. À moins que... Non. Non. S'il avance au tour, j'ulti. Qu'il avance pas. C'est full fog bot side donc... S'il avançait pour mettre des auto-attaques sur la tourelle, il y avait des grandes chances que... Il y a quelqu'un et que ça parte pour moi. Ouais ouais, bardé bot side. Il était bot side dans le fog. J'arrive. Beaucoup de dégâts hein. Ça va partir la Swisper très très vite. Hein. Je joue un peu de gold. Il va le Q le dernier. Ok, globalement la game se passe plutôt bien. Nuke est en 6-1, ça va être la menace principale. Mais il joue Harry et je joue MF. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de le one-tap. Pas tout de suite évidemment, mais à terme la possibilité va pop. Ragnar, j'aimerais bien le taper un peu. Ça doit amener. What? Oh. Ce first strike qui m'a fait prendre l'aggro. Je push ça, j'ai collector.
Ok, petit back, ça joue top. Ah, je vais venir avec eux en vrai. Ils ont pas trop l'air de vouloir lâcher. Bon, ben on fait de venir. J'ai vu, en fait, j'ai analysé un peu comment il jouait. Je me suis dit, Belvette à l'Hérald, elle a son âme. J'ai un timing recall qui est bon pour moi, mais ma team veut pas recall sur ce timing là. Ouh. Ah ouais, inhib comme ça, direct, nature. Ah, moi je veux bien, mais j'ai 200 HP, 70 points de mana. Hein. On a l'Hérald, faut le mettre, hein, je pense. Hein. Ouais. On prend minima une T4. On n'aura pas plus. Oh, le stun. C'est clean. C'est pas que Camille meurt, la cube son E là. Ah bah du coup elle meurt, oui. Ok. On avance la Swisper vite. Bon là c'était un petit peu tricky. J'aurais dû flash le stun de Bard, j'avoue que j'ai pas fait attention qu'il avait été link sur je sais pas avec qui je me suis fait stun. Vous les runes, elles sont en bas à gauche. Elle m'a au buff solennaire à 22 sans CS. Oui, effectivement. 99-94, faut faire gaffe quand même. Need to play high tempo with inhib down. Âme de feu. Je fais pas trop de dégâts là. Hein. Après, j'ai des 10 assists aussi. Hein. Push button, headbase à faire mon dead gold. Un Tipeee, ouais. Va falloir faire attention. Parce que le problème, c'est qu'on a pris une hip top, ce qui est bien. Mais enfin, ce qui est bien. Ce qui est pas forcément bien, non. Parce que du coup, bah, ils vont récupérer beaucoup de gold. Beaucoup d'XP. C'est wardé, t'as un red trinket, frérot, s'il te plaît. Je push mid, Harry est encore loin, après elle a probablement une TP. Normalement, je suis pas vraiment une condition de victoire là, donc je suis pas un mec fait de ma team, donc en théorie ils peuvent jouer sans moi. Ouais, voilà. Ça a plus de value que je pressure ailleurs. C'était du 4v4, 4v5 si Harry TP. Mais c'est de end ou... J'arrive avec une tour Nexus. Bien joué les gars. Je fais acte de présence, rien de plus. Je suis la daronne de traiton là par contre. GG. Bah écoutez, notre taf à nous c'était juste de pas se faire abuse par Harry Bardbot. Ça a beaucoup joué bot side, on a beaucoup respecté et mon top side a vraiment fait du très bon taf donc. Pas grand chose à dire, hein. Bien joué à ma team. Hein. Ça, je gagne que 21 LP par contre. Bien joué à ma team. Après, ils avaient Silas à des carries. Je sais pas trop ce qu'ils ont. Je sais pas trop. Pourquoi ? Pourquoi ? Il s'est dit, je vais jouer Silas. Ménadé, il fait les games Samira 19-4. Et là, il s'est dit, putain, les gars, il y a Alistar Swain en face. Silas support, là, c'est la tech là. Enfin, si là ça décaille, c'est la tech. Je sais pas, tant mieux. Hein. Il a servi à rien. C'est Patrick. Et pourquoi il a fait ça? Ah, on avait du beau monde dans cette game. Hein. On avait du beau monde. On avait. Il y avait Power of Evil. Il y avait Nuke. Il y avait Odo Amné.
Il y avait Patrick du coup. Noël, no ends.